Nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire dans cette date de 24, dimanche 4 août 2019. Nous te rendons toute la gloire. Merci parce que nous sommes en ta présence pour célébrer ton nom souverain. Nous voulons magnifier ta splendeur, ta grandeur, ta puissance. Et merci parce que via Internet, tu permets d'être en contact avec les disciples afin de pouvoir, n'est-ce pas, partager ta parole. Tu nous m'aperçois une ferme confiance, s'il te plaît. Ma chère, mon Dieu Israël, au nom de Jésus, nous formons les dames. Merci, je vous demande de trouver dans ma conduite ce moment. Merci, au nom de Jésus, que j'ai prié. Amen. 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 Ben, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. En même temps, je vous souhaite un excellent mois en août. Que ce Amen. Mois de soit pour vous un mois de grande percée. Amen. Un mois de grande bénédiction. Amen. Un mois où Dieu fait des grandes rencontres. Amen. Alors aussi, un mois où Dieu aussi fermera aussi la bouche de mes ennemis. Amen. Parce que si vous n'avez pas d'ennemis, vous n'avez pas d'avenir. Celui qui n'a pas d'ennemi, très très bien. Celui qui n'a pas d'ennemi. Parce que le jour, parce que l'ennemi qui est là, est cette personne qui sait qui vous êtes, n'est-ce pas, et combat votre destinée. Alors donc, quand quelqu'un n'a pas d'ennemi, c'est qu'il n'a pas d'avenir. C'est-à-dire, quand tu ne combats pas, c'est que tu sais que tu es inutile. Voilà. Quelqu'un qui est dans la rue, quelqu'un qui est un moi, trop peu de temps, on t'ignore. Mais quand tu combats, ça veut dire que tu es important. Dis Amen. Amen. Ceux qui vous combattent savent que vous êtes important. Voilà. Quand on ignore celui qui n'a pas de force, qui n'a pas cette capacité d'avancer. Alors, celui qui n'a pas d'ennemi, il n'a pas d'avenir. Alors, si vous avez une aussi, dit non, des ennemis. Non, tu en auras des ennemis. Parce que c'est important, ça fait partie de la vie. Même Dieu même l'a aimé, lui, je l'ai. Vous pouvez l'enfermer, mais il est là, Satan. Je vous dis, si vous n'avez pas d'ennemis, vous n'avez pas d'avenir. Voilà, vous n'avez pas d'avenir. Et c'est pour ça que par moment, quand vous voyez dans la politique, je suis très loin de la politique, parce que je suis un homme dans le jeu, vous allez voir qu'on parle de présent, n'est-ce pas? On parle de parti de pouvoir et d'opposition. À cause de l'opposition, c'est-à-dire les opposants, celui que le pouvoir s'améliore parce qu'il y a des critiques, c'est pour ça que les ennemis qui sont là. Nous aimons aussi en entier, n'est-ce pas, grandement, ouais, dans notre destinée. Amen. Amen. Alors, donc, que le Seigneur vous bénisse, que ce mois-là, que Dieu fait la bouche sur votre temps. Amen. Et que le Seigneur vous donne raison. Je salue l'église des Aroko. Voilà, les femmes des Aroko sont venues parce que il y a un moment de prière organisé par l'église de Dieu. Voilà. Ceux des Aroko qui sont représentés là. Je veux voir les gens des apôtres. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Tu n'es pas la seule, c'est qui? Venez. Montrez-moi. Je ne vois pas. Shalom. Attends bien. Merci pour l'église encore de Zaroko, je reviens là-dessus. Voilà, cette église basée à Zaroko.
Voilà, très bientôt, par la grâce de Dieu, on aura aussi l'occasion de soulever notre culte des alentours. Voilà. Donc, merci pour votre persévérance, merci pour beaucoup de choses. Je vous informe que nous sommes en train de penser, n'est-ce pas, aussi pour la construction de l'église des alentours. Voilà, ça fait partie de notre projet. De temps en temps, les anciens croyants, les pasteurs, ils vont avoir prêché. Nous sommes en train de nous organiser. Voilà. Merci pour cette église dynamique, cette église de relève spirituelle au sein de ce village qu'on appelle Zaroko. Très bientôt, vous allez me voir me prononcer. Je viendrai pour les grandes croisades à Zaroko. Très bientôt. Africaine, la voie nationale au niveau de la Côte d'Ivoire, où je vais dénommer acte à la sorcellerie. Voilà, donc j'aurai l'occasion de passer dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et la plupart des pays africains acte à la sorcellerie, et montrer aussi que Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. La sorcellerie africaine, montrer à Jésus-Christ, montrer aux gens que Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie. Nous allons même lancer des filles à des grands féticheurs des sorciers pour montrer que leur pouvoir n'est rien. Amen. Voilà, donc on a eu un moment d'installation d'église, c'est ce que nous sommes en train de faire, mais nous allons reprendre une campagne d'évangélisation qui est apte à la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, ça met en retard. Vous comprenez, la sorcellerie crée beaucoup de dégâts dans les familles, dans les régions. La sorcellerie bloque le développement. Et quand ce fléau, ce fléau sera combattu, ce phénomène sera combattu dans nos régions, dans nos villages. Nous allons voir que le développement va pleinement s'installer. Voilà. Va pleinement s'installer. Parce que c'est important que l'Afrique se réveille et c'est important que l'Afrique aussi comprenne qu'il faut se réveiller pour combattre ce phénomène. Alors, j'ai aussi à dire merci parce que la dernière fois, j'étais avec les enfants de la Fondation, la Fondation Prophète Joël Crasso, voilà, et l'orphelinat de Dieu. Je tenais aussi à dire merci pour ceux qui nous ont soutenus, qui ont permis à ces enfants-là aujourd'hui, n'est-ce pas, d'être là où ils sont aujourd'hui. Voilà, donc je tenais à dire merci que mon Seigneur nous bénisse à nous. Ces enfants qui n'avaient pas de soutien, ces enfants qui étaient abandonnés pour nous, et que nous avons récupérés par la grâce de Dieu, et nous avons installés dans cette fondation, de pouvoir leur donner un avenir, je tenais à dire merci pour ces personnes. Ils nous ont soutenus aujourd'hui. Les enfants sont brillants. Beaucoup sont ceux qui sont aujourd'hui allés en sixième. Alors, d'autres sont allés en classe supérieure. Donc, les choses avancent par la grâce de Dieu. Voilà, ils sont en vacances. Par la grâce de Dieu, ils sont en train d'organiser les vacances. Alors, l'année prochaine, cette année, dans l'entrée scolaire, nous allons insérer forcément, mettre l'accent sur forcément l'outil informatique. Voilà comment gérer tout ça par la grâce de Dieu. Nous laissons le Seigneur. La fondation était tellement combattue. Le Seigneur nous a soutenus. J'ai dit au Seigneur, si cela venait de nous, si cela. Parce que j'ai toujours dit, tout ce qui est parti, si Dieu, vous allez beau faire, mais ça ne va jamais aboutir à quoi que ce soit. Nous l'avons fait. Penser qu'il faut détruire les enfants, bon, c'est une méchanceté extrême. Je ne reviendrai pas là-dessus, mais je remercie le Seigneur qui a protégé cette enfant. Qui a protégé la fondation. Parce que pour nous, notre revenu, c'est Dieu. C'est Dieu qui bénit. Voilà. Vous allez pour faire, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit les gens. Voilà, c'est la bénédiction régnant du Seigneur. Alors, je remercie le Seigneur pour cette fondation et pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous ne cesserons de miser là-dessus. Et comme, sans toutefois, la répétition est pédagogique, je veux répéter encore. Voilà, je veux aussi répéter ça parce que c'est vraiment très important. Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est un problème éducationnel. C'est vrai que nous sommes en vacances, mais dans quelques mois, voilà, un mois, tout ça, la République et l'école. Alors, si nous voulons voir une Afrique qui se développe, si nous voulons voir une Afrique émergente, voilà, c'est un peu plus important, c'est d'envoyer les enfants à l'école. Il faut maintenant montrer le chemin de l'école pour que les gamins, par la grâce de Dieu, puissent être l'avenir des gamins. Voilà, donc il faudrait aussi se battre pour que chaque enfant, dans chaque maison, dans chaque famille, pense à scolariser vos enfants. D'autres diront qu'on n'a pas d'argent. Ben, écoutez, l'argent, ça se cherche. Voilà, il faut chercher l'argent, il faut se battre. Voilà, il faut se battre, il faut économiser. J'ai toujours dit, à partir de 100 francs déjà par semaine, on peut préparer notre entrée
jusqu'au l'année prochaine. Voilà, donc, la balle est dans notre camp. Si nous voulons, n'est-ce pas, avoir avancé, la balle est dans notre camp. Il faut travailler. Pour les Africains que nous sommes, Dieu nous a tout donné. Et franchement, Dieu nous a tout donné. Ici, je ne vois pas de bafon. Bon, quand j'étais en Italie, c'est vrai que je voyais des bafons et tout ça. Bon, dans d'autres, peut-être, ce genre. Mais on dit que nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons plein de bafons. Dans nos différents villages, nous avons des bafons. En cas de préparer, chacun va manger. Donc, on peut cultiver le riz. On peut devenir le meilleur producteur de riz au monde. Parce qu'on a des bafons. On a aussi des forêts. Malheureusement, les gens bradent, les gens vendent des forêts, c'est pas bon. Voilà, les gens vendent des forêts, la forêt que Dieu nous donne, pour aussi l'exploiter, n'est-ce pas, en fait, de pouvoir, n'est-ce pas, le bénir, parce que ça c'est beaucoup très important. Donc Dieu a tout donné à l'Afrique. Le sous-sol africain est tellement riche, il y a beaucoup de choses. Mais le problème de l'Africain, c'est vrai qu'il y a la sorcellerie, mais il y a aussi un problème aussi de mentalité. Voilà. Donc il faut envoyer les enfants à l'école, bien sûr, pour les amener à l'école. Pour que demain nos matières premières soient transformées, pour que demain l'Afrique puisse se développer. On ne peut pas seulement se focaliser sur la sorcellerie, c'est vrai qu'elle existe là-dedans. C'est la chose la plus sûre. Mais regarde la sorcellerie, nous sommes comment la sorcellerie. Quelqu'un qui n'a rien dans la tête, mais il est inutile à la société. Franchement, d'ici 10 ans, celui-même qui ne sait pas lire, c'est comme ça que, par moment, vous qui savez déjà aller faire les cours du soir, c'est important. Allez, ABCD là, allez faire. C'est important. Voilà, sinon ils vont mettre un poison, puis c'est une bouteille de coca la souris. Celui qui boit ça, il va mourir. Moi, j'ai bien des chlorides arrêtés. Comme je ne sais pas, si tu as bu, tu as mangé ce coca, ton estomac va se fondre. Ce n'est pas une question de Jésus qui va te protéger. Tu n'as pas lu, ça va te détruire. Donc, il faut aller à l'école. Il faut motiver aussi les gens à aller à l'école. Il faut aussi travailler. Voilà, comme les Chinois, ils étaient en 1960, pendant que la Côte d'Ivoire était un pays émergent, parce qu'il y a eu le miracle ivoirien dans ces années-là, voilà, où la Côte d'Ivoire se développait. Et ils ont pris le temps d'apprendre, ils ont pris le temps de se battre et de travailler. Et aujourd'hui, ils sont développés. Les Africains, les Chinois sont développés. Personne ne dira le contraire. Aujourd'hui, la Chine est développée. Je pense qu'ils sont deuxièmes même d'ailleurs. Voilà, les Chinois sont développés. Voilà, c'est parce qu'ils ont pris. Mais nous, les Africains, on a un style, on est trop jaloux. On aime trop combattre le bien de l'autre. Et tout ça, c'est la sorcellerie. Il faut travailler. Celui qui travaille, n'est-ce pas, à tout, il est toujours béni. Alors, soyez fortifiés, soyez bénis. Voilà, pour ceux qui sont venus de l'étranger, parce qu'il y a des gens qui sont venus du Gabon, il y a des gens qui sont venus même de l'Angola, il y a des gens qui sont de là, il y a des gens qui sont venus de l'étranger, qui sont dans cette salle. Je salue toute l'église. On peut me faire voir toute l'église. Salut, bon salut. Je peux voir toute l'église parce que là, je suis focalisé sur un truc. Tu peux me permettre de voir toute l'église, s'il te plaît. Tu peux pas? On va continuer. Ça vous va? Amen. Amen. Je parle avec vous. Les brins, ils sont bien. Oh, les séries, là, t'as fait un peu de canaries, ils voient ce qui est en train de faire ici. Ils voient ça dans le canari. Ils ont mais ça se fait ici. Le canari, ça sent. Ils font des petites, vous voyez quelqu'un dedans. Alors, moi, je suis ici en France. Je suis actuellement en Paris. Je suis en train de voir les gens. Et on fait des bonnes choses. Mon nom, c'est pour voir. La nuit de Norbert, puis taper la suie avant migraine, il va tomber. C'est tu fais des conneries avec. Or, n'est-ce pas, l'Afrique doit se développer, nous devons mettre fin à toute cette pratique-là, satanique et démoniaque qui est à l'Afrique. Alors nous avons besoin aussi de la protection de Dieu. Pour avancer, il faut la protection de Dieu. Si on n'aurait pas la protection de Dieu, l'Afrique, c'est un mystère, l'Afrique a ses réalités. Alors, que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse avancer. Alors, vous êtes dans le sang de prière plurielle. À cette date aujourd'hui, dimanche 4, on est sur le dimanche 4 août 2019, un monde d'autant glorieux, un monde d'eau plein de lumière, de gloire et de la plénitude du Saint-Esprit dans la vie de chacun d'entre vous. Voilà, et nous sommes dans la spiritualité. Et le principe de la spiritualité, c'est la foi.
Alors, ce qui vous a envoyé dans ce sens, c'est une question de foi. Vous avez foi à la puissance de Jésus. Vous avez foi à ça. Ce n'est pas une question de « je suis venu au centre, rien ne s'est passé ». Non, c'est une question de « est-ce que tu as eu la foi ?» Alors, Jésus a toujours dit « ta foi t'a guéri, ta foi t'a délivré ». C'est un sens, par la grâce de Dieu, où il y a eu beaucoup de personnes fortes qui avaient l'esprit de folie qui ont été guéries dans ce sens. C'est un sens où on a vu pas mal de miracles. Ceux qui n'en font pas. Il y a des personnes qui étaient stériles. J'ai vu des personnes stériles. Je veux parler du frère de Marceline, qui a fait même des genoux, on a prié pour lui, qui n'a jamais eu d'enfant. L'ouverture même qui se sent, on a prié. Aujourd'hui, sa fille s'appelle Shalom. Et son fils s'appelle Joël, c'est ça? Amen. Il faut Amen. Mais deux fois, Shalom et Joël. C'est passé ici. Il y a eu trop de miracles ici. Il y a eu trop de miracles dans ce centre. Alors, pour obtenir ton miracle, tout dépend de toi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, c'est la puissance de Dieu. Et il n'est pas que forcément que le prophète. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. J'ai connu Jésus comme toi. Je l'ai connu. Et il m'a fait la grâce. Il m'a simplement fait une grâce d'être un serviteur. C'est une grâce. C'est une grâce. Et vous savez, j'ai toujours insulté. Vous savez, c'est bon, on avance. Alors, servir Dieu, c'est la chose la plus difficile. Sinon, j'ai des métiers. J'ai un métier. Je peux le suivre dans la vie. Voilà. Mais Dieu a fait de moi esclave et de mon jour. J'ai béni le Seigneur pour ça. Et on fait le chemin ensemble. Alors, il m'a fait la grâce. Et là, celui qui travaille. Alors, celui qui travaille en fonction de votre foi. Il regardera votre foi pour vous guérir. Il regardera votre foi pour vous délivrer. Je me souviens que maman la joie, sa fille, qui est aujourd'hui la femme du tas, elle a eu des soucis d'enfantement. Elle a eu des problèmes d'enfantement. Ses enfants mouraient, elle a eu une décharge. C'est dans ce sens-là qu'elle a été délivrée miraculeusement. Donc, chacun d'entre vous a une histoire. C'est ce que personne ne veut changer ça dans la tête des gens. C'est-à-dire, les gens peuvent parler, mais personne ne peut changer ça de vos têtes. Personne, parce que vous avez vu. Il y a ce qu'on dit, et puis il y a ce que les gens vivent. C'est différent. Voilà. Celui qui n'a jamais vu, il peut. Vous avez vu la manifestation de la puissance de Dieu dans la région des âmes. J'ai toujours dit, je suis venu avec ma vie. Ma sainte Bible, je l'ai récupérée comme ça. Je suis allé prêcher à la rose. Et je vous ai dit, j'ai prophétisé les mots. Celui-là sera développé. Celui qui devait croire, celui qui ne devait pas croire, il reste dans son cœur. Mais aujourd'hui, moi, je t'ai dit non, ce n'est pas le prophète, mais avant moi, le dispensaire a fait 10 ans dans la broussaille. Voilà, 10 ans dans la broussaille. Pendant mon truc, l'eau, tu ne peux pas aujourd'hui parler. Les gens ont vu. Voilà, les gens ont vu la puissance de Dieu dans ce village. La puissance de Dieu dans le village de Zara. Ils ont vu la puissance de Dieu se dégager. Ils ont vu l'eau tout à l'heure. C'est passé dans le sous-monsieur. Je suis allé toucher la salle pour. Je leur ai dit, dans les temps qui m'ont su, vous avez de l'eau pour table. Vous avez de l'eau pour table. Aujourd'hui, tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu se manifeste encore pleinement dans ce village. Alors, donc, il y a des témoignages. Chacun d'entre nous a des témoignages. C'est parce que moi, personnellement, j'ai vu la puissance de Dieu dans ma vie et que je le sais avec foi. Alors, si vous avez la foi, vous verrez toujours la main de Dieu agir. Si vous avez la foi, Dieu agira dans votre vie. Si vous avez la foi, vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu. Amen. 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 C'est tout. C'est une question de foi. Voilà. Si vous avez la foi, vous êtes là, non, frère, il m'a pas convaincu. Je ne peux pas toucher tout le monde. Mais j'ai ma foi. Et dans ma prière, je prie pour tous ceux qui sont. Et d'ailleurs, il y a une organisation autour de tout ça au sein de cette église. Il y a une organisation de telle sorte que il y a des pasteurs qui sont là. Alors, j'ai des rencontres que je fais. Mais j'ai dit, je crois, et samedi. Voilà, pour recevoir les gens quand j'ai le temps, bien sûr. Alors donc, votre foi doit vous délivrer, votre foi doit vous bénir. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi? Alors, je suis très heureux, voilà, encore très heureux d'être avec vous. Alors, nous allons vous aborder un thème important ce dimanche-là. Nous allons parler de quelque chose de très important. On a parlé de la destinée, n'est-ce pas? Nous sommes en train de parler de la destinée, parce que dans la destinée, c'est beaucoup important. Je parlais de la destinée. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui nous prennent maintenant en ligne, qui ceux qui nous suivent maintenant, j'ai abordé le thème de la destinée. Dans la destinée, il y a ce qu'on appelle la destination, la destination du nom. C'est-à-dire la destinée, tu pars d'Abidjan et tu arrives à destination à Divo. Voilà, donc c'est comme ça ta vie. La vie d'un homme n'est pas une vie au hasard, comme ça, on ne vit pas par hasard sur cette terre. Non, on ne vit pas par hasard, non. On a un but bien précis. Lequel nous sommes sur cette terre? Est-ce qu'on a bien saisi?
Est-ce qu'on me servit un peu? Amen. Donc, on ne vit pas par hasard sur cette terre. Non, moi-même, je suis venu pour suivre les gens. Si toi, tu dis que tu es venu suivre les gens, c'est toi qui vas suivre les gens. Dieu n'a jamais créé ceux qui suivent les gens. Amène-toi cette pensée. Dis à quelqu'un, amène-toi cette pensée. Amène-toi cette pensée. Quand tu peux te lever le matin, tu dis non, moi-même, ce qui arrive à maman, c'est ce qui m'arrive. C'est comme ça. C'est notre héritage. J'ai vécu au nom de Jésus. Comment toi tu peux penser qu'il te compte ta maman? Tu as rencontré Jésus. La Bible dit que ceux qui ont Jésus-Christ, ils sont devenus une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Il y a quelqu'un, les anciennes choses sont passées. Les anciennes choses sont passées. On dit voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'il n'a pas rencontré Christ. Si la même chose est là, si rien n'a changé, c'est qu'il n'a pas rencontré Christ. Si tu rencontres Christ, les choses vont changer. Amen. Tout dépend de toi. Comment penser que non, les trucs de ta maman, c'est ce qui continue, mais Jésus-Christ a vécu la malédiction d'accord, à cause de toi. Alors, si tu es en Jésus-Christ, la malédiction est vaincue dans le nom de Jésus. Amen. Moi-même, je suis là, les gens même, ils prennent comme l'on dit, on est suisse, on est jette. On me suce, on me jette, je suis devenu l'homme de Dieu. Et donc, là, on va chaud. Non, c'est pas question de l'homme de Dieu. C'est toi-même, là. Si tu penses que tu es l'homme de Dieu, comment tu es sucé? Moi, mais je passe, mais on ne me regarde pas. Dis-moi, comment tu es là? Tu es télévision ou bien? Tu es TV5, France 24 ou bien? Comment tu regardes? Non, moi, mais quand il marche, puis quand il marche, tu regardes derrière, quelqu'un t'a appelé. Je me dis, mon père, appelé. Tu es télévision ou bien? Mon père t'a appelé. Non, je dis là, il n'y a même pas une piste qui me causait moi. Comment causer toi? Voilà, si tu penses que tu es. Comment tu fais piste? Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois dans Dieu, excusez-moi. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc ne pense pas qu'on doit t'appeler. Le temps n'est pas encore arrivé. Amen. Loin de rencontre. Loin de rencontre. Mets ça dans ton truc. Le temps avec Dieu n'existe pas. Mais maintenant dans ta tête, si tu as cette foi en Dieu, tu verras une rencontre prophétique, tu te feras du bien. Amen. Amen. Alors donc, ne sois pas jalouse de ceux qui ont des rencontres. Moi-même, depuis que je suis à l'église, on va prier au Seigneur. Nous, on est là depuis, ça ne marche pas, c'est sorcellerie. Pour vous dire, ayez foi. Si vous avez la foi, on verrait la puissance de Dieu. La foi, c'est une confiance qu'on a en Dieu. Voilà. Donc, on a parlé de la destinée. Donc, dans la destinée, on parle d'un point et on parle d'un autre point. Et dans la destinée, il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, il y a le destin. Le destin, c'est souvent ce qui nous arrive dans la destinée. On peut avoir des difficultés, on peut avoir des trucs, mais ça n'empêche pas ta destinée. Voilà. Alors, donc, les difficultés n'empêchent pas ta destinée. C'est toi qui peux peut-être arrêter d'avancer. Sinon, ça fait partie. Quand Jésus est né, à cause de son étoile, il a été attaqué. Est-ce que vous m'avez saisi? À cause de son étoile, on a attaqué Jésus. À cause de son étoile. Vous comprenez? Donc, à cause de ton étoile, tu peux t'attaquer. Je vous dis, si les gens vous attaquent, si les gens vous en veulent plus, croyez en vous. La seule chose que vous ne devez pas faire, c'est de ne pas croire en vous. Ne vous focalisez pas sur les paroles. Quand quelqu'un dit tu es pour rien, quand quelqu'un, ça c'est ce qu'il dit. Mais toi-même, en ce qui est en toi, tu crois en toi. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est le gars de ta vie. Moi, j'ai reçu, personne ne pouvait imaginer. Je suis venu à Zaroko, personne ne pouvait imaginer. J'ai pris ma vie, j'ai laissé l'Abidjan. Je suis venu à Zaroko. J'ai connu la galère. Donc, quand les gens parlent, ils ne connaissent pas l'histoire du prophète Kasson. J'ai connu la galère, ce qu'on appelle galère. Je me suis dit, la galère, vous avez gagné, il y a eu du temps ici. J'étais dedans. J'ai connu ce qu'on appelle fourmi magna, rentre dans la chambre. Moi, j'ai connu ça. Demandez au pasteur Serge, à Grégo, où on allait dans son village, j'ai dormi dans la maison. Ou même quand tu te réveilles, là, tu penses que tu as la mort. D'ailleurs, c'est comme c'est dans le temps. C'est-à-dire, il n'y a pas de fenêtre, c'est tout est bizarre. Puis c'est pas pour les plastiques qu'on met vers un paille. Moi, j'ai mis là. Matin, quand tu te lèves, matin, il y a les moucherons qui viennent t'accueillir. Vous voyez les moucherons? C'est pas camarade de quelqu'un. Tu te brosses à tes pieds, et puis quand tu tapes, il y a le sang là-dessus. Moi, j'ai mis ça.
J'ai connu la galère. Lui et moi, on a fait des kilomètres de marché, tout ça. J'ai connu ça. Dans le ministère, c'est des difficultés. Voilà, donc à Zaropo, on a connu ça. Mais ça fait partie du destin. Voilà, c'est le destin. Voilà. C'est le destin pour atteindre ma destinée. Parce que Dieu m'a parlé. Alors, donc, dans la destinée, les difficultés sont c'est partie de la destinée. C'est ce qu'on appelle le destin. Mais il y a la destinée. On a parlé de ça. Et dans la destinée, il faut croire en Dieu, il faut croire en toi. Il ne faut pas laisser t'influencer par quoi que ce soit. Ou bien, est-ce que l'esclave mon passé, hier, il y a eu des problèmes, aujourd'hui, je ne pense pas réussir. Celui qui pense à son avenir, il n'a qu'à aller demander une place au cimetière, il n'a qu'à l'enterrer. Si tu as le souffle de vie, j'ai posé une question à quelqu'un, je lui ai dit, mais est-ce que tu sais comment tu te réveilles? Non, je ne sais pas. Mais c'est un miracle. Ça dit, si Dieu active encore ta respiration, c'est qu'il nous croit en toi. Pourquoi toi, tu ne crois pas en toi? Tu dors, tu te réveilles là. Dieu te dit, il faut respirer. Puis tu respires, vois. Ça veut dire que Dieu croit en toi. Pourquoi toi, tu ne penses pas? Est-ce que moi-même là, est-ce que moi, ça va marcher? C'est une erreur. Si vous ne croyez pas à votre avenir, c'est dangereux. Croyez à votre avenir. Ça n'empêche pas que les gens ne parleront pas. Hein. Les gens vont vous attaquer. Hein. Les gens parleront mal de vous. Hein. Mais croyez à votre destinée, croyez à votre avenir. Amen. Amen. Alors, donc, je parle. Mais dans la destinée, il faut assainir son environnement. C'est le mot français. Ça dit faut, pour aller loin, pour arriver là où on entend d'arriver, la destinée, là. Il faut arranger autour de toi. Est-ce que moi bien servi? Parce que si ton entourage, si ce n'est pas bien arrangé, rien, tu auras problème. Frère, tu auras problème. Ok. Par moment, par la gentillesse, nous envoyons des gens dans notre vie. Et c'est eux qui nous créent des problèmes. Amen. Amen. Donc, cette tentation. Alors, quand j'ai oublié la fleur, nous allons prendre la parole de Dieu. Ancien collègue, tu peux me faire la lecture. Vous prostituer, vers chez le roi et se présentèrent de. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurons dans la même maison. Et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'était levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis, il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit.
et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'amouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le fait au point mourir. » Amen. Merci pour cette belle lecture. Il s'agit quoi? D'une histoire de deux prostituées qui se trouvaient là à Jérusalem. N'est-ce pas? Deux prostituées, vous savez très bien, on a considéré chez nous les Ivoiriens, on appelle Dandou, nous on appelle Chouin, on appelle Pute. Voilà, deux prostituées. Vous connaissez très bien les prostituées, c'est-à-dire c'est qu'ils vendent leur corps pour de l'argent. Est-ce qu'on m'a bien saisi? C'est qu'ils vendent leur corps pour de l'argent. Elles vendent leur corps, c'est leur métier. Alors, on dit deux prostituées vivaient ensemble dans une même maison. Vous comprenez? Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Et dans cette histoire, il y a une qui était propriétaire des maisons. Propriétaire des maisons, là, elle va voir que sa camarade, c'est-à-dire sa collègue, sa camarade, chaque jour, elle pose avec elle, elle constate que la camarade en question n'avait plus de maison. Vous comprenez? Cette camarade n'avait plus de maison, vous savez qu'elle dormait, l'or, tout ça. Elle n'avait plus de maison. Et comme elle, elle est tendue comme elle, elle est prostituée comme elle, elle a eu compassion. Écoutez-moi très bien, elle a eu compassion, elle a eu la pitié, l'amour, elle dit, ok, on fait le même métier. C'est vrai que l'autre fait le même métier, elle peut prendre aussi l'argent pour aller se louer une maison. Mais elle a dit, pour un temps, viens vivre chez moi. Viens vivre chez moi. Donc elle récupère sa camarade, elle envoie sa camarade dans la maison. Donc, chez les temps, il n'y a pas de préservatif, hein. Excusez-moi d'aborder ça. Non, elles sont tombées enceintes. Enfant de prostitution, c'est pas qui ne font pas des crimes. Ils ne font pas des crimes pour elles. Donc, elles sont à la même période, elles tombent enceintes. OK? Donc, la grossesse a évolué. Alors, il y a une qui a accouché. Et quelques jours après, une autre accouche. OK? Alors, donc, elle vivait dans la maison et tout ça. Et vous connaissez bien les prostituées. Vous les connaissez. Voilà. Elle, si ce n'est pas la drogue, c'est le balai qu'elle joue, ça vient boire. Voilà, pour dormir et tout ça. Donc, certainement, la pluie, ils ont tous bu les deux. Et il y a eu, comme dans leur maison, chacune dormait avec son enfant. Voilà, mon ami. Et il y a une, elle s'est balétisée, tellement que le balai est grave, elle a dormi sur le bébé, il est mort. Vous comprenez? Elle a dormi sur le bébé, il est mort. Comment bébé? Quelqu'un peut dormir sur le bébé, et puis le bébé peut mourir. Si ce n'est pas balai, il fait ça. Si ce n'est pas Kenji, si ce n'est pas Gedi, qui peut faire ça. Bon, on peut comprendre que l'autre a trop dormi. Et ta collègue, vous savez que les deux mains étaient soumises. Elles étaient mortes, mais. Heureusement que l'autre, elle a bien dormi, elle s'est bien dormi. L'autre, qu'on a hébergé, elle va devenir problème dans la maison. OK? L'autre, elle se réveille. Pendant que sa camarade est là sur le fait du balai, elle se réveille doucement. Vous savez? Les gens qui vous hébergez, les gens que vous envoyez dans votre intimité, faites très attention. Si vous ne les maîtrisez pas, ce sont ces personnes qui deviendront vos problèmes de là. Je vais attendre l'amen de beaucoup de personnes. Amen. 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 Les gens du dehors, ils n'auront pas de problème avec vous. Malheureusement, aujourd'hui, nos ennemis d'aujourd'hui sont des personnes à qui nous avons fait du bien dans le passé. Malheureusement. Et regardez cette femme, ta camarade, a eu pitié de toi. Dans les moments difficiles, elle a dit, non, il faut que je l'héberge. Or, elle ne savait pas que cette femme, elle avait un comportement, un caractère de sorcellerie en elle. Parce que la sorcellerie, c'est l'ingratitude. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. La sorcellerie, c'est l'ingratitude et la méchanceté extrême. Toi-même, tu sais, c'est ton enfant. C'est ton enfant, tu as dormi sur l'enfant. Tu vas ta camarade, vous allez pleurer, on est l'enterrer. Tu vois, Dieu va te donner un enfant. Tu as des gens, tu es féconde. Tu vas venir encore.
Mais comment penser qu'il faut faire du mal pour la personne qui m'a hébergé? C'est de la sorcellerie. Donc, dans la nuit, elle s'est réveillée, elle va changer. C'est ça qui est par moment. Si vous ne maîtrisez pas les gens qui rentrent dans votre intimité, c'est par amour qu'on envoie les gens dans votre intimité. C'est par amour. Hein? C'est parce que tu aimes la personne, c'est parce que tu penses que la personne est comme toi. Est-ce qu'on m'écoute un peu? On m'attend? Oui, on m'attend. Okay. C'est parce qu'on sait qu'on est amour, on a pitié. Or, ce début-là que tu as pitié, que tu ne connais pas, c'est lui-là qui va te montrer qui a mis sucre d'aubergine. Les gens demandent si aubergine est sucrée. Mais lui va te montrer qu'il y a sucre. Il va te montrer qu'il y a sucre d'aubergine. Toi, tu as fait ça par amour. Parce qu'il y a des gens qui sont amour. Par compassion, non, tu la vois dehors. Or, c'est baillé. Ce sorcier tu as hébergé. Celui qui sera ton problème demain. Elle, de coup, plus tard. Vous savez? Elle ne savait pas qu'elle était sur elle, manger ensemble, hein, ça veut dire qu'elle partageait tout ensemble. Elle avait tout ensemble. Mais quand il y a eu problème, la femme lui a envoyé le malheur. Vous comprenez? La femme, elle se lève, elle tue non seulement celle de ton enfant, et puis elle envoie le malheur chez l'autre. Qui est ton ami? Qui est celui qui vit dans ton intimité? Est-ce que tu le connais? Non, il fait pitié, c'est vrai. Tu le connais? Mais Dieu aussi a dit d'être prudent. Même Jésus dit d'être prudent. Tu peux l'aider, tu peux ne pas l'envoyer dans ton intimité. Ça dépend de comment Dieu te convainc. Quelle gloire à Dieu. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Amen. Est-ce que tu le connais? La femme vivait avec elle, c'est sa camarade, mais elle ne connaissait pas son intérieur. Ce qui était à l'intérieur de cette femme, c'était la méchanceté. On ne finit pas de découvrir l'homme. C'est pour ça que par moment, ceux qui sont dans votre intérieur, faites très attention. Amen. On me saisit un peu. Amen. Non, c'est-à-dire, on dit aimer ton prochain, ça c'est vrai. Aimer ton prochain. Mais c'est le prochain là qui va te montrer qui a mis sur l'aubergine. Toi, tu es content, tu l'aimes. Mais la personne qui se sait pourquoi se rapprocher de toi. Il y a des gens qui viennent, qui se rapprochent de toi parce qu'ils ont une mission de leur tête, c'est de te détruire. Ils ne sont pas comme toi. Toi, tu les as rapprochés de toi par amour pour les faire avancer. Mais eux, ils ont un objectif, c'est de te détruire. Donc la femme l'héberge, elle est contente, elle héberge là-dedans. Mais cette femme-là, cette femme va commencer, les deux qui étaient amis, cette femme va commencer, n'est-ce pas, à ramener le malheur. La plupart du temps, les gens que vous avez hébergés, les gens que vous avez aidés, les gens que vous avez soutenus dans les moments les plus difficiles de leur vie, des précipités difficiles de leur vie, et que ces personnes, elles ne reconnaissent pas ce que vous avez fait un instant, qu'elles ont la conscience, non, que ces personnes se lèvent contre vous pour vous attaquer. Vous avez dit que les personnes, nous ne nous avons jamais aimé ces personnes. Ce sont des sorcières qui ont vécu dans votre intimité. Je me dis ça. Parce que tôt ou tard, vous allez les découvrir. Quand il y aura un problème. La personne n'est pas obligée, elle pouvait même prendre l'enfant pour dire, oh non, ma camarade, tu as vu, belle qu'on a vu, j'avais un problème, ça nous a donné. Vous voyez? Amen. On a dit, vraiment, c'est pas bon, encore arrêter l'alcool. Mais elle lui emmène le malheur. Il y a des gens, votre mal, votre bénédiction les dérange. Amen. Amen. Il y a des gens, votre bénédiction les dérange. Quand vous êtes en bébé, ils savent que vous êtes mariés. Ils savent que vous avez un contact, c'est bien. Ils savent que vous allez évoluer avec telle personne. Ils savent très bien. Et ils se disent, ok, c'est là où vous allez voir leur vrai visage. C'est là la femme va commencer à se manifester. Elle va prendre le bébé, elle va le mettre dans le sein de la truc, elle va récupérer. Vous voyez, elle va récupérer. Regardez comment elle va remercier cette femme. Est-ce que vous êtes obligé de faire du mal à ton bienfaiteur?
Est-ce que tu es obligé? Donc, dis non, mais tu n'es pas obligé. C'est ce qui est en toi. Vous savez, Jésus, si Jésus, bon, comme Jésus savait, Judas, il était derrière Crète. Mais il a eu l'occasion de montrer sa traîtrise. Vous avez des gens, vous parlez avec eux, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur cœur. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans leur cœur. Ils sont avec un ange, ils parlent avec lui. Ils sourient, mais derrière ce sourire large, il y a l'hypocrisie aussi. Derrière ce sourire large, il y a un problème. Parce que tout le temps, vous allez les découvrir. Alors voici le problème qui se présente. Elle voit le malheur. Et la femme dit, elle a pris, vous connaissez femme. Le temps que Dieu a donné à femme, il n'a pas donné ça à un homme. On dit, elle regarda l'enfant attentivement. Oreille, narine, petit nuque, petit bouche, clair, petit maton. Suzanne, les gens d'Afrique d'un musulman. C'est pas pour moi. C'est clair. Elle dit non. Vous connaissez Bush de Djangju. Vous connaissez Bush qui n'a moyen pas. Vous connaissez les putes là. Qui la... Si ça fait des Bush, elles ont fini ça. Donc elle a laissé se calmer. Elle dit il ne faut pas envoyer ça là-bas. Parce qu'on n'avait pas envoyé ça là-bas. Pour les sacs d'amuser. Le bébé qui est mort, le bébé là. Pas pour vous. Elle a commencé à l'attaquer. Vous vous dites, frère, quand vous serez dans les moments les plus difficiles de votre vie, quand vous serez dans le moment quand vous traversez les moments difficiles, c'est là que vous allez voir le vrai visage des gens. Ceux que vous avez hébergés, vous m'avez aidé, qui vont se retourner, qui vont se mettre avec vos détracteurs, qui vont se mettre avec vos ennemis, ces personnes ne vous ont jamais aimé. Ces personnes étaient là juste en mission. Tu te d'accord avec moi, dis amen. Amen. Tu n'as pas besoin de rendre le mal par le mal. Tu n'es pas obligé de rendre le mal par le mal. Tu n'es pas obligé de rendre le mal par le mal. Tu n'es pas obligé de rendre le mal par le bien que la personne t'a fait. Tu n'es pas obligé de le faire. Voilà. C'est pour ça que nous qui connaissons Dieu, nous disons, je remets pour moi à Dieu. On remet pour moi à Dieu. Il y avait cette femme qui veut forcément porter un malheur à cette femme. Et il y a des gens comme ça, et leur esprit, vous avez tout fait. Vous êtes battu pour sa destinée. Vous êtes battu pour sa vie. Voilà au moment où tu as besoin peut-être cette personne. Et là, cette personne maintenant se retourne contre tes ennemis. Tu mets ensemble avec tes ennemis pour te détruire. Mais vous savez, tout se perd sur cette terre. Parce que les gens ne savent pas. On va tout faire. Tout se perd. Tout se perd. Donc j'en parlais jusqu'à. Maintenant, le langage change. La dame dit, allons-y voir le roi. Amen. Amen. Or, nous savons que celui qui incarne la royauté aujourd'hui, c'est Jésus. Sans les voir Salomon, sans les voir Salomon. Parce qu'elle sait que si les deux. Entre les deux tambours, si c'est resté entre les tambours là, bouche de l'eau, ça va bien. Parce que bouche de l'eau, est trop rapide. Et regardez la bouche de ceux que vous avez aidés, regardez comment, quand vous êtes dans les problèmes, regardez comment ils disent leur bouche, ils disent, Moi-même, je savais. Ah, tu savais. Toi, on n'a pas gêné pour lui. Moi, je savais qu'il allait arriver. Donc, toi, tu savais, donc, tu pensais. La pensée négative, c'est de la sorcellerie. Je savais qu'il n'est pas arrivé loin. Je savais. Mais tu savais que tu as fait quoi? Tu as prié? Non. Je regardais. Donc, ça veut dire que toi-même, tu n'étais pas d'accord par rapport à cette bénédiction. C'est pour ça que je vous dis, en tant que d'entrer dans votre destinée, allez assainir votre environnement. Ceux qui sont autour de vous, là, soyez rassurés. Que ces personnes-là soient à 100%, pas à moitié, à 100% avec vous. Comment vous allez savoir? C'est dans les mois les plus difficiles de votre vie que vous saurez. Celui qui ne t'abandonne pas, quel que soit ce qu'il va entendre, quel que soit ce qu'il a truc, qui n'ose même pas vouloir t'achever dans les moments difficiles. Parce que les gens attendent le canon pour t'achever. Alors, quand eux ne sont pas le maître de ton souffle,
Et que c'est Dieu qui te dit. Parce que c'est Dieu qui conduit quelqu'un. Donc Dieu est une occasion que Dieu crée. Comment Dieu crée des problèmes pour voir le vrai visage des gens qui sont à elle. Je souhaite que ce n'est pas tout le monde qu'on avance. Qui est ton ami? Qui marche avec toi dans ta destinée? Non, c'est là ton sang. C'est elle qui va te tuer. Non, elle est gentille. Qu'est-ce que tu dis, elle est gentille? Tu connais l'homme? C'était la gentillesse. La femme était très gentille. Quel blague pour mon enfant. C'est ta guinée. C'est les compliments, ce compliment. Vous allez dormir ensemble dans la même maison. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de secrets. Mais le jour où il y a eu problème, elle en donne. Regardez le problème de la vie. Je ne dois jamais vous dire, non, ils vont vous abandonner dans votre état. Ils vous abandonneront. C'est pour ça que quand vous voulez marcher avec quelqu'un, d'ailleurs, c'est pas tout le monde marche. Non, lui, il n'a pas appelé. Il ne t'a pas appelé, là, tu ne dis pas. Non, qu'est-ce qu'il attend pour moi? Les humains des gens, ça ne devrait rien vous dire. Amen. Quels sont ceux qui sont dans votre intimité? Quels sont ceux avec qui ne marche pas tout le monde? Sinon, si vous marchez avec tout le monde, vous vous vendez comme poisson mal. Sans femme. Vous mangez. Cette femme, elle a abandonné dans ce moment difficile. Elle a abandonné. Maintenant, les deux qui étaient camarades, et on ne dit plus cette femme. Elle ne dit plus camarade, cette femme, c'est-à-dire le langage a changé. Elle réalise qu'elle a vécu une personne qu'elle ne connaissait pas. Elle regrette, elle dit qu'on aurait dit. Elle voit maintenant qu'elle a marché une personne qu'elle ne connaissait pas. Aujourd'hui, on n'a pas de part de service aux gens. Mais les gens, ils viennent. Aujourd'hui, même si Facebook, il y a des gens qui sont Facebook. Vos amis sur Facebook. Il n'y a pas tout le monde qui est camarade. Il y a des gens qui sont espions. Ils sont amis avec vous. C'est que vous faites ou vous. Souvent, on dit, on allait manger au restaurant, on met sur Facebook. Ah, elle allait manger au restaurant. J'ai eu mon fiancé Facebook. J'ai eu fiancé Facebook. J'ai acheté ma nouvelle voiture Facebook. Et là, tu vas comprendre. Il y a mis sur piment. Tu vois, piment est sucré. Tu vas voir qui a mis. Cycle dans tout le monde. C'est là qu'ils vont t'attaquer. Donc, dans votre intimité, ça dit, par moment, soyez discret. Et par moment, assainissez votre environnement. Vous n'avez pas besoin d'aller marcher avec beaucoup de monde pour réussir. La réussite, ça n'est pas donné. Vous n'avez pas besoin de marcher avec beaucoup de monde. Les blancs ici, là. Blancs. Monsieur Norbert, je suis ton cousin. Cousin. Ça va? Tu es au portail. Cousin, il n'est pas chez moi. Cousin, ça va? Il n'est pas appelé. Il était méchant. Oui, ça va. Je suis méchant, c'est bon. Parce que chez lui, à qui tu as service, et tu aides. Or, toi-même, tu t'es même pas encore aidé. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de pas aider les gens. On peut aider les gens. Mais on pense plus aux autres. C'est-à-dire qu'on s'est investi dans leur vie. On se bat. C'est vrai, tu es amour. Mais attention. C'est comme un chien enragé, tu entends de mourir. Quand tu vas le soigner, il sera bien. Il va te demander. Assainissez votre, n'est-ce pas, environnement. Faites attention. Et j'ai toujours dit à quelqu'un qui a une fois trahi, quelqu'un qui a une fois répondu, quelqu'un qui a toujours, qui a une fois détruit la vie de quelqu'un qui lui a rendu service. Si tu marches avec lui, tu te feras la même chose. C'est comme ça. La personne te fera la même chose. Parce que c'est un être dans cette personne-là. Alors, dans la destinée, faites attention à ceux avec qui vous parlez. Faites attention à ceux qui marchent. Parce que, par un moment, il y a des gens qu'il ne faut pas. C'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, fais sortir Lot de ta vie. Laisse Lot tranquille. Abraham, c'était son épée cook. Il dit, fais sortir Lot de ta vie. Il y a des gens, vous êtes même parenté. C'est-à-dire, vous êtes le même saint. C'est votre problème. Il y a des gens avec qui vous êtes le même saint, mais qui sont votre diable. Qui sont votre diable. Qui ne sont pas contents de votre réussite. Regardez les gens aujourd'hui. Les gens qui vous avez rendu service aujourd'hui, ce sont ces personnes qui ont la conscience morte, qui n'ont mis, qui ne réfléchissent même pas un instant.
Et ce qu'ils avaient fait dans leur vie, ils avaient dit qu'eux-mêmes, là, c'est de la sorcellerie. Alors, donc, vous avez mis quelqu'un dans votre destinée, vous avez envoyé quelqu'un dans votre vie, et c'est cette personne qui est en train de vous détruire. Donc, assainissez. Quand vous voulez aller très loin, ayez moins d'amis. Vous allez dire, ah, pourquoi même ton message n'a rien à cesser. Il n'a pas dit d'aimer les gens. Eh, aimer les gens, ça n'a pas dit marcher à beaucoup de gens. Il y a des gens qui cherchent le rapprochement. C'est pourquoi d'autres n'ont pas fini leur mission, ils veulent acheter quelque chose. Mais aujourd'hui, là, même, il y a pensé que tout le monde a été ensemble. Tu vois, tu es elle vient doucement. Il faut bloquer sa langue. Non, je vais arriver chez toi un jour. Elle dit, moi, c'est pourquoi? On m'a travaillé ici. Là. Moi, j'ai compris. Toi, tu es méchante, hein? Tu ne m'as jamais invité. Attends, on me passe une fausse invitation. Elle a aidé sa camarade. Et c'est sa camarade là qui l'a détruit. Elle a aidé sa camarade. C'est sa camarade là qui lui a envoyé le malheur. Je ne dis pas de ne pas aider les gens. Il faut aider les gens. Mais il faut avoir le discernement pour savoir que lui là, Jean Dieu qui est là, il change pas. Le monsieur qui est là, quand vous le regardez, est-ce qu'il peut changer? Alors, ce que vous dites, faites attention. Vous aimez les gens. Vous l'avez investi dans leur vie. Vous l'avez soutenu. Aujourd'hui, c'est cette personne-là qui se bat contre vous et qui cherche à vous nuire, à s'investir ou à investir. Il y a des gens qui veulent seulement vos contacts. Il y a des gens qui veulent dans vos biens. C'est vos contacts qui les intéressent. Vos relations qui les intéressent pour évoluer. Vous-même, là, ça ne les intéresse pas. Ils sont là pour quelque chose. Or, il y a des gens qui sont là parce qu'ils veulent nous protéger. Il y a des gens qui sont là parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a des exceptions. Alors faites attention avec qui vous parlez, surtout avec qui vous faites rentrer souvent dans votre vie. Ah, c'est ma sœur. C'est elle qui va te montrer comment on fait la sauce djumblé. Et plakali. Elle va te montrer ça. Comment on fait djumblé et plakali matin. Elle va te montrer ça. Vous faites très attention. Non, c'est ma sœur, elle va jamais me trahir. Ah, il y en a qui trahissent. Amen. On va à la Bible ici. Il y a un gars qui allait voler le champ de son camarade. Jacob allait voler le champ de son père. On a vu ici deux son mari sorcellerie. On a vu Jacques, on a vu Isaac, Abel et Caïn. Caïn qui a tué Abel. Sorcellerie, la jalousie. Le même père, le même. Alors, on fait attention. On aide les gens. Mais faites attention dans votre destinée. Croyez en Dieu, croyez en vous. Faites attention au plus de vous. Ne confiez pas vos sujets à n'importe qui. Ne faites pas rentrer les gens n'importe qui dans votre destinée. Dans votre intimité. Faites très attention. Amen. Faites très attention. Amen. Ne pas oublier de parler. Il y a les gens, ils ont maladie de babagage. C'est-à-dire, tant qu'ils ne parlent pas, ils ne sont pas contents. Ça demande leur bouche. Vous voulez qu'ils parlent. Mais pourquoi? Donc, assainissez votre environnement. Pour commencer déjà. Parce que le monsieur, ou cette soeur qui est là, que tu penses que c'est ma soeur, ou même lui là, c'est mon frère, c'est mon truc. Là. Il ne connaît pas où. C'est pas tout le monde qu'on envoie des rendez-vous d'affaires. C'est pas tout le monde qu'on envoie dans les endroits. Ah, c'est pas tout le monde. C'est celui qui est pas mal discret. Alors, dans la destinée, il faut, n'est-ce pas, comme je disais, il faut assainir son environnement. Si vous n'apprenez pas à assainir votre environnement, il sera difficile d'expérimenter certaines grâces. Alors, donc, je prie Dieu que Dieu vous ouvre les yeux. Ceux qui vont vous envoyer des problèmes, ce sont ceux qui vous avaient dit pas aider. Mais malheureusement, ça dit, ces personnes ne pensent pas qu'en faisant du mal à quelqu'un, demain, la même chose va te retourner. C'est la loi de la nature. C'est comme Amen. Ça. Amen. C'est ça que David, quand David a su que Saül voulait le tuer, ça c'est la chose la plus sûre. Quand David a vu Saül dans la grotte, n'a pas touché à Saül. Parce qu'il sait, quand vous détruisez quelqu'un, la chose va vous arriver.
quand même David avait tué, il a eu des problèmes. Le fait de tuer son chef de l'état-major à cause de sa femme, il a eu des problèmes dans sa royauté. Absalom s'est rébellé contre lui, il y a eu tellement de choses dans sa royauté, ça l'a poursuivi après. Alors, c'est cela que, par moment, frère, si tu n'as pas envie d'aider quelqu'un, pourquoi le détruire? Donc, à midi, tu es en train de faire là, c'est pourquoi? Depuis qu'il te fait invitation là, c'est pourquoi? Depuis que tu suis là, c'est pourquoi? Il te suit, c'est pourquoi? C'est pourquoi, juste? Vous ne connaissez pas les gens, vous les faites rentrer parce que vous avez confiance en Dieu. Mais la personne, c'est parce qu'elle est, parce qu'elle a de belles paroles, parce qu'elle parle bien, parce que vous savez qui elle est. Donc, faites attention. Faites attention à votre entourage, faites attention à votre environnement. Généralement, les gens que vous avez aidés. Dans les moments difficiles, vous allez les savoir, vous allez savoir ça. Vous allez voir que les gens qui vous ont vraiment aimé, elles vont commencer à vous soutenir et commencer à vous aider. Regardez cette femme. Elle va commencer à vous soutenir, vous aider. Combien Dieu qui ne dort pas, ils vont envoyer l'affaire à Jérusalem. Voilà. Donc, quand ton problème est difficile, vous pouvez monter ça dans la présence de Dieu. Comprenez? Elle envoie ça à Jérusalem, confiez ça à un roi. C'est-à-dire que Jésus est le roi des rois. Amen. Amen. Et celui qui a tranché le problème, il a tranché. Il a écouté les deux. Mais il a compris que c'est Satan qui avait raison. Pourquoi? Il s'est basé sur un système qu'il a mis en place. Je vous dis tôt ou tard, Dieu vous donnera raison. Amen. Dieu vous donnera raison. Amen. Peu importe la bouche, peu importe toute la stratégie que l'ennemi mettra autour pour vous nuire. Mais un jour, Dieu vous fera sortir d'affaire. Amen. Donc, on se montre aujourd'hui peut être la personne qui peut être vous aider. C'est ça que dans la vie, il ne dit pas que lui, là, il ne pourra rien faire. Je l'ai déjà détruit, il ne veut rien. C'est toi qui dis ça, tu n'es pas le maître de sa destinée. Voilà, les gens pensent qu'on vous a détruit, ils pensent que c'est fini, ils ont comploté contre vous. Mais ils ne savent pas que tu es un des deux. Alors, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse. Faites attention. Voilà, votre environnement, faites attention. Un homme qui vous a pas aimé, une personne qui vous a pris votre cœur, quel que soit le problème, quel que soit les principes, quel que soit peut-être que tu as ce que tu as fait, lorsque tu l'as fait, elle ne va jamais te lever contre toi. Et regardez Jésus, l'amour qu'il avait pour nous, il a fait que même à la croix, il a demandé pardon. Lui t'a tué, celui qui dit pardonnez. Vous voyez l'amour de Jésus. Là, on le poignarde, on le tue, et on le met nu, on l'humilie, et celui qui pardonne. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'amour. Dans l'amour, on ne se met pas pour dire je vais me venger. Non, si vous voyez quelqu'un que vous avez aidé hier et que la personne se met pour tout de votre détracteur, la personne se met avec cette personne, ça veut dire que cette personne n'a jamais été avec vous. Elle était là seulement pour la forme. Voilà. Parce que et rien ne peut la pousser à tenir. Parce que l'amour couvre tout. L'amour supporte tout. L'amour permet de comprendre et d'aider. Alors que Dieu vous fortifie, que vous aide davantage à comprendre que dans la destinée, vous n'avez pas n'importe qui.